Écoutez, quand je pense partenariat avec l'IFPEN, je pense que le point essentiel, c'est que l'IFPEN est capable de faire un pont important entre la recherche académique et la recherche appliquée pour déboucher sur de véritables dimensions commerciales. Un bon exemple est le procédé Luxil que nous avons développé avec l'IFPEN et avec Axins. Et je dirais que pour résumer la situation, il y a trois ingrédients importants qui ont fait le succès de ce procédé à destination de la pétrochimie. D'abord, on a pu s'appuyer sur un spectre très large de compétences et de disciplines au sein de l'IFPEN, notamment dans le centre de Soleil. Ensuite, on peut vraiment dire qu'on a une capacité de quête de l'innovation permanente, puisqu'on réfléchit en permanence avec les équipes d'IFPEN aux nouvelles générations de ce procédé pour améliorer sa performance et donc être capable d'être toujours devant la compétition en termes de qualité et de technologie. Et enfin, je dirais, il ne faut pas l'oublier, une capacité à protéger la propriété intellectuelle. Donc non seulement on innove, mais on fait des brevets et on est capable, grâce à ça, de conserver notre différenciation compétitive. Merci beaucoup.